Salut les abonnés! On va faire quoi aujourd'hui? Une pêche à l'aimant? On va dépolluer un peu? Qu'est-ce que t'en penses? On voit pas ton beau visage là? Il fait beau ce matin. C'est frais, mais il fait beau. On y va, on attaque? Allez, on a amené le grappin au cas où on accroche quelque chose. Mais je serais surpris quand même d'accrocher un gros truc ici. Donc, ben c'est parti, on perd pas de temps! L'eau est translucide ici, regardez. Ah, Nomade, elle a vu un chien de l'autre côté. Allez, premier lancé. Rien. Y a rien du tout sur ce premier lancé. Alors vous pouvez retrouver hein, les aimants, vous savez bien, maison de la détection, code promo, terre secrète en majuscule, tout attaché avec ce gros aimant. C'est même le plus puissant d'ailleurs. Hein. Faites pas comme moi, hein, mettez des gants. J'en mets pas moi parce que j'aime bien sentir la corde. Voilà. Mais mettez des gants, c'est plus prudent. Et je fais attention en montant parce que tout est métallique. Oh, regardez déjà. Oh, regardez-moi ça. Oh, sans blague. Allez, je m'écarte un petit peu de la ferraille, regardez ça. Une mèche. Pour perceuse, c'est pour dingue ça. Regardez-moi ça, t'as sur tes chaussures, ta coco. Je sais pas s'il y a vraiment longtemps qu'elle a été. Quoique je sais pas si ça rouille vraiment, ça dépend ce que c'est comme matière. Voilà la taille de la mèche quoi. En tout cas, elle n'a rien à faire dans l'eau. Deuxième lancée dans ce coin-là. Nomade, elle est là. Là, je peux vous dire que elle s'amuse ici. Hein. Elle a même été dans l'eau. C'est beau ici, incroyable. Je peux vous assurer, hein. L'endroit, il est superbe avec le soleil là. Hein, c'est hyper translucide. Capsule. Allez, ça va aller dans les déchets. Coupe. Il y en a une qui est dans l'eau là. Regardez-moi ça. Allez, on va relever et ramener celui-là. C'est joli, hein, on voit les mois au fond de l'eau, c'est profond mine de rien. Enfin, il y a un creux là, après.
Si, ça doit être assez profond hein, ici quand même. Allez, relevons ça. Allez, on n'a rien là ce coup-ci. Allez, allons voir à droite ce qui se passe. Nomade, dès qu'elle entend les mains tomber. Non, c'est pas pour aller le chercher. Tu laisses. Non. Regardez-moi là, c'est ça. Regardez. Non, c'est non. J'ai dit non. Hein. C'est non. Ah, allez, on a chopé un truc là, je crois. Juste sur le bord. Ah, je vais faire gaffe, il y a le pilier en béton. Hein. Alors. Eh ben non. C'était une algue. C'était un morceau de. Ou de ferraille rouillée, vous savez. Allez, on va changer de coin. Vous avez vu? Il y a plein de coquilles Saint-Jacques. Elles ont été mangées, évidemment, parce que c'est de l'eau douce ici. Hein. C'est un étang qui est quand même relativement propre. Et celle-ci, je peux vous dire, elle m'énerve aujourd'hui. Tu vas me lâcher cette corde, oui. Range-toi. On n'a rien sur le lancer là. Je ne sais pas si vous avez bien vu les coquilles Saint-Jacques qui ont été jetées là. Je crois que c'est pas mauvais, hein. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez des idées, bah, laissez des commentaires, tiens, justement. Range-toi, nomade. Allez. Bien, Nino. Range-toi, Coco. Attention à la corde, surtout. Tiens, vas-y, saute. Reste là. Allez, on va ramener tranquillement. Bah oui, je sens que t'as envie de te baigner, toi. Enfin, tu t'es déjà baigné. Elle a pris son bain. Viens, Nino. Attention, mais enlève tes mains de tes poches. Allez, un gros coffre fort rempli de lingots d'or. Vous avez vu ça un peu? Alors, on ramène des algues là. Donne-moi un coup de pouce alors, si tu veux. Range-toi. Range-toi, c'est un aimant. Allez, on n'a rien là. Ah! Oh! Vous savez ce que c'est ça? C'est un leurre. Donc si ça a pris, c'est que l'hameçon est dessus. Regardez ça, comment on appelle ça, toi qui es pêcheur, je suis avec Dylan, hein, évidemment, qui a la caméra. On sent à l'intérieur, l'hameçon est dedans ou un bout, un morceau de plomb, ici, regardez. Eh, même plus besoin d'hameçon, on a attrapé un poisson. Allez, on va enlever ça, on va le mettre dans le sac à déchets. Allez, là, il n'y a rien, je pense. Oh, j'allais dire il n'y a rien, mais on va dépolluer. Range-toi, nomade. Allez, on dépollue les capsules. Décidément. Oh, on a un hameçon, même. Regardez, si. Un tout petit hameçon. Voilà, pour le gros plan, ça va être un peu chaud. Bon, et les buveurs de bière ou de je sais pas quoi, mettez vos capsules dans vos déchets quand même. C'est mieux dans les déchets que dans l'eau. Allez, Dylan, sors-nous une boîte ancienne. Rempli de merveilles.
On sent la technique du pêcheur. Alors, ah, allez, capsule, fais attention qu'il n'y ait pas d'hameçon. Il y a un clou, fais attention. Vous avez vu le clou là? Il y a le tétanos là-dessus. Voilà, il y a intérêt d'être vacciné quand même. Hein. Alors une capsule, tu peux l'enlever. Hein. Je la remets dans l'eau? Non, pas trop. Hein. Il y a un vieux clou rouillé. Tiens Nino, à toi, tu t'approches pas de ça mon ref. Ouais. Hein. Voilà. Il n'y a rien sous les monts, regarde. Non. Allez, on n'a rien d'autre. Attends Nino. Attention, je crois que le l'aimant il est aussi lourd que le fiston. Bon, allez. Ça va, c'est sur le bord. Allez, tu tires. Tire, hein, c'est toi qui l'as mis dedans. Hein. Nomade. Allez, Coco, papa il va t'aider, regarde. Allez! Ah, Nomade là! Ah, je crois qu'on a ramené un truc! Ouais, va bien au bord! Range-toi! Allez, je crois qu'on est encore sur de la capsule. Ouais, capsule, vis, ouais. Ah ouais, des vis, des clous. Ouais. Bon, on va tester un autre endroit. Les amis, on trouve que des clous, que des vis. C'est parce qu'il y a un monsieur bricolage juste à côté. Regardez-moi ça. Que des vis. Ouais, c'est un peu fou. Hein. Capsule, vis, clou. Ouais. On va mettre ça où? À l'abri? On va mettre ça à la poubelle? Non? Ah si, il faut mettre à la poubelle. Hein. Ah bon? Si un jour t'as un étang chez toi, t'aimerais qu'il y aura plein de choses sales dedans? D'accord. Allez, on a un petit pont à nouveau là-bas. Ah, ici aussi, il y a des coins de pêche en fait. Hein. Vous avez vu? Je pense que ça doit être pour des carpisses ou des choses comme ça. Ah, c'est un emplacement pour personnes handicapées, pour pouvoir pêcher. Ça, c'est vraiment cool quand même. Allez, on va jeter ici. Alors, et voilà, on continue dans la capsule et dans les clous. Au moins, c'est plus dans l'eau. Il y a un hameçon tout rouillé là. Je voulais aller dans un autre endroit, regardez. Avec les algues, j'avais même pas fait attention. Il y a une petite monnaie de 2 centimes. Ouais. Oh, voilà. Qui était dessus. Bon, ben celle-là, c'est de l'argent. Je vais le mettre dans ma poche. Si j'en attrape beaucoup, boire un café. On arrive sur un pont, vous voyez, ça c'est vraiment très très cool, même pour ceux qui veulent pêcher la carpe ici. À mon avis, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment agréable. Voilà, allez, on va lancer dans ce coin là l'eau est beaucoup plus trouble ici. On va voir si on y trouve des choses. Alors pour l'aimon, c'est le bulldog 360. Alors quand je dis il est puissant, hein. Je ne vais pas vous faire une démonstration de l'accrocher sur un morceau de métal au niveau d'un pont. Je peux vous dire, pour l'arracher, c'est un peu difficile après. Donc voilà, et je voulais revenir sur une chose aussi également. Sur un commentaire, on m'avait dit que c'était à cause de gens comme moi justement que la pêche à l'aimant devenait interdite parce que j'avais montré une vidéo où j'avais sorti des obus. C'était dans un canal et une arme aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Non, justement, c'est pour prévenir aussi les jeunes qui font de la pêche à l'aimant
C'est de la prévention, tout simplement. Heureusement qu'il faut prévenir les jeunes. Quand on trouve des obus, des choses comme ça, ben, faut les laisser dans l'eau, surtout. Voilà. Détendre bien, le remettre dans l'eau avec les mains tout doucement. Vous détendez la corde et vous tirez d'un coup sec et vous prévenez les gendarmes et terminé. C'est juste de la prévention pour pas qu'il y en ait qui ait de mauvaises intentions de ramener l'obus chez lui par exemple. Comme ça c'est vu dans certains faits divers. Allez c'est parti, on va lancer ça. Et c'est mort. Oh le bazar, regardez ça. On va faire de la dépollution. Alors ça, c'est une branche de bois. Ça par contre, c'est pas du bois. Hein. Vous avez vu un peu. Alors je pensais à la comment la mèche à. Oh, dis donc, vous voyez ça. Je vais le relancer à gauche. On va dépolluer toujours. C'est toujours ça de gagner. Donc faites pas comme moi, hein, mettez des gants. Moi j'en mets pas, hein, je vous l'ai dit en début de vidéo. J'aime bien sentir la corde. Hop. Et je pense que cette mèche à perceuse qu'on a fait au début de la vidéo justement, certainement quand ils ont monté les ponts, elle a dû tomber dans l'eau. Alors, là, vous voyez, j'ai relancé au même endroit. Belote au moins, vous voyez, c'est un peu incroyable. Ça, ce sera plus dans l'eau, toujours. N'hésitez pas, comme j'ai dit, hein, maison de la détection. Je laisse les liens pour les aimants. Hop là, on va persévérer. On va retourner dans le coin là-bas. On monte doucement, je viens d'accrocher là, à moins que ce soit un gros morceau de bois qui était dans le fond ou un caillou. Moi je pense pas. Alors, un clou. Moi je sais pas ce que c'est ça. Comme en détection, je ferai un bon nettoyage et une belle... Oh, c'est une clochette. Vous savez, c'est une clochette pour pêcher les anguilles. Il manque la tige et la pince. Incroyable. Ça, c'est bon souvenir, ça. Dylan. Ouais. Aller à la pêche à l'anguille la nuit. Et dès que ça faisait... Pour ceux qui connaissent... On était à l'affût. Bon, on va changer d'endroit, je pense. Il y a des ponts partout ici, donc bon, je vais refaire un ou deux lancers, on va bien voir. Et on vient de changer d'endroit. Écoutez, ça chante partout ici. Ça, c'est cool. Allez, on va voir ce qui se passe dans ce coin-là. J'ai appâté avant de venir, on sait jamais. Des fois que ça mord. Allez, regardez, une tension là. Une grosse boîte avec plein de lingots d'or. Je l'avais dit sur Terre Secrète un jour. Hein. Jamais fait de pièces d'or, mais le jour où j'en trouverai. Il y en aura au moins 30 dans une boîte. Allez, il n'y a rien ici. Allez, on va changer d'endroit.
Ça fait 2-3 lancers que je fais ici. Et on va remettre ça à l'eau, c'est des feuilles. Ça sent la vase ici. Hein. Et là, on n'a rien. En fait, c'est quand même assez cool parce que c'est quand même assez propre. Vous voyez ici, il y a des pontons partout comme ça. Donc c'est assez sympa pour pouvoir pêcher. Bon, faut se méfier de pas accrocher les mains évidemment, hein, parce que je peux vous dire. Allez, on est revenu à l'endroit où j'avais fait cette mèche de perceuse. Je pense que c'est quand ils ont dû faire justement ces pontons. On va regarder à nouveau par-dessus cette rambarde métallique. Allez, j'ai lancé sur la gauche ici. Oh, je suis en train de parler de cuillère avec Dylan. Regardez. Hop. Je sais pas si c'est une MEPS ou. Enfin voilà, il n'y a plus l'hameçon. Celui-là, il a cassé sa cuillère. Allez, on va regarder si on a d'autres pêcheurs de brochets dans le secteur. On ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est assez propre. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Allez, c'est translucide. Je vois qu'il y a une capsule qui s'est accrochée dessus, ici et dessous. Même chose. On va les enlever. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des poubelles un petit peu tous les 20-30 mètres. Donc c'est plutôt sympa. Énième ponton. Regardez l'endroit, nickel. On va manger là tout de suite. Ouais, manger, petit casser une petite croûte ici, tranquille. Regardez comme c'est beau ici. Allez, voyons voir ce qui se cache par ici. On vient de changer d'endroit à nouveau, c'est vraiment très propre là-bas. On va essayer près de ces branchages là. On va voir s'il n'y a pas des gros leurres qui traînent dans le secteur. Ou autre chose. Allez. Ils sont très lourds ces aimants, je peux vous dire. Allez. Petit, petit, petit. Alors, bon, ça c'est une branche. Oula, je vais rester avec vous. Un peu froide aujourd'hui. Bon, franchement, c'est quand même rassurant, je trouve, de voir cet étang super propre comme ça. Il n'y a pas une grosse dépollution hein, qu'on a faite, à part ces gros morceaux métalliques tout à l'heure, mais je trouve ça plutôt cool. Allez, on va s'arrêter là pour ce numéro. Je fais pas souvent de pêche à l'aimant. Il faudrait que j'en fasse un peu plus souvent d'ailleurs. Ce serait un peu cool de faire un peu plus de pêche à l'aimant, comme je viens de le dire. Cet étang, franchement, il est assez propre, hein, vous avez vu. Un peu de dépollution, ça fait pas de mal, mais ça reste quand même très correct ici. Et je trouve ça quand même très rassurant, comme je l'ai dit également aussi. On se retrouvera la semaine prochaine pour une vidéo de détection cette fois-ci. Toujours avec Dylan à la caméra. Puisque je suis chez lui en ce moment. Voilà, j'ai toujours mon problème d'infiltration sur mon camion. Je suis en train de filmer les rushs justement de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce camion.
C'est comme les Kinder Surprise, hein. Vous savez, quand il y a une infiltration dans un camping-car, on commence à enlever un morceau, et après on voit les dégâts qui ont été faits. Et c'est ce qui se passe exactement en ce moment. C'est pour ça que je suis chez Dylan, chez mon fils, ma belle-fille et mon petit-fils que vous avez vu au début de cette vidéo. Je laisse le lien de cet aimant, ce gros aimant justement, sous la vidéo. Code promo Terre Secrète en majuscule, tout attaché, pour bénéficier d'une réduction, que ce soit sur les aimants ou les détecteurs d'ailleurs. Allez voir en ce moment, il y a des choses intéressantes, justement à la maison de la détection avec Melvin. Voilà, on va s'arrêter là, comme je vous l'ai dit, à la semaine prochaine, sortie détection dans un endroit qui devrait être assez sympa. J'espère qu'on y fera de jolies découvertes. Voilà, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, vive la dépollution et vive la détection et vive les étangs qui sont bien entretenus. Salut, ciao !